Voilà, vitesse de croisière atteint. Ouais. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Moi, c'est le dessin animé de la Jossie Gang. Voilà. Tout d'abord, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour crier mon indignation. Voilà. Pour crier mon indignation et par ricochet m'adresser à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais m'adresser à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Quand je m'adresse à l'État de Côte d'Ivoire, c'est pour dire je m'adresse à celui ou ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Voilà. À la hiérarchie ou aux subalternes, tout compte fait, à ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc je suis devant vous. Parce que je suis frustré, nous sommes frustrés. Je suis frustré parce que la Côte d'Ivoire est un État qui ne se prend pas au sérieux. Je suis frustré, nous sommes frustrés parce que la Côte d'Ivoire est un État qui cherche à spolier les fils de ce pays. De leur nationalité. D'aucuns me diront de quoi parle l'auteur. L'auteur parle de ce que mon ami, mon collègue, frère, voilà, Johnny Pacheco, a été spolié de sa nationalité. Il a été spolié de son identité, raison pour laquelle je suis frustré. Ceux qui étaient frustrés hier ont préféré la voie des armes pour crier leur ras-le-bol. Mais nous, comme nous sommes des adeptes de la paix, comme le disait Oufoué, la paix n'est pas un mot, la paix est un comportement. Donc on va se comporter comme des gens qui sont dignes de raisonnement. Voilà. Des gens qui n'ont pas recours aux âmes quand ils sont frustrés. Parce que c'est ce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui enseigne aux gens. On dit quand tu es frustré, il faut prendre des âmes. Et les gens même osent justifier les sales besoins dans des œuvres qu'ils mettent sur le marché. Mais nous, même si on avait de l'argent pour payer des âmes, même si on avait de l'argent pour semer la chienlie, on n'allait jamais le faire parce que nous sommes des gens dotés de raisonnement. Voilà. Si c'est devant vous, ce n'est pas pour venir faire la grimace, mais je suis vraiment frustré, raison pour laquelle je prends ma caméra pour m'adresser aux dirigeants de ce pays. Il est inconcevable qu'un Ivoirien dépose ses documents en bonne et due temps, en bonne et due forme dans son ambassade pour avoir un titre. Un document de voyage. Et ce dernier se voit refuser catégoriquement sans qu'on lui notifie le motif pour lequel on ne veut pas lui donner son passeport. Mais il y a de quoi être frustré. Au moins, si on dit non, tu as tenté de faire coup d'état, ton passeport est bloqué. Ça peut être justifié. On peut dire non, tu as tenté de déstabiliser le pays. Ou bien tu es recherché par l'État de Côte d'Ivoire, raison pour laquelle on refuse de donner ton passeport. Ça peut être un motif justifié. Mais mon client, on refuse de donner son passeport sans que cela se notifie par soit une main courante ou bien soit un courrier. Donc ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire ne se prend pas au sérieux. La Côte d'Ivoire ne se prend pas au sérieux dans la mesure où l'homme à qui vous avez refusé le passeport, est un citoyen lambda. Voilà. Ce n'est pas un politicien. Voilà. Ce n'est pas un homme d'affaires. Mais c'est juste un acteur de la société civile. Donc, si je comprends bien, vous le valorisez. Oui, vous le valorisez. La Côte d'Ivoire ne se prend pas au sérieux. Voilà. Elle ne se prend pas au sérieux. Nul n'est censé ignorer que depuis 2014, mon collègue, bon, il n'y a pas de durée de cette vidéo, c'est au moins 15 minutes, 20 minutes, voilà.
L'une est censée ignorer que depuis 2014, mon collègue Johnny Pacheco, voilà, a déposé des dossiers pour l'obtention de son passeport. Voilà. Ce qui est son droit le plus absolu. Et à sa grande surprise, après avoir fait une vidéo sur Dramane Ouattara le 27 avril, je crois bien, si elle avait de bonne mémoire, le 27 avril 2014, à la suite de cela, il a vu ses informations confidentielles de son passeport se retrouver sur Facebook. C'est-à-dire au marché, dans la cour commune. Des informations qui sont censées être confidentielles se retrouvent sur Facebook. Mais il y a de quoi s'intriguer. Il y a de quoi à être sur le qui-vive. Il y a de quoi se méfier. Comme si moi, je m'en vais voter. J'ai un dans une urne, voilà, pour voter. C'est entre moi le bruit de vote dans l'une. Mais je sors dehors et il y a quelqu'un qui me dit, oh, c'est lui qui t'a voté. C'est lui qui t'a voté. Elle précision. Mais je m'interroge, mais comment il sait? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de caméra dans le box-office? Donc, c'est comme ça, mon ami a pris ses précautions. Parce que ces informations qui devaient être confidentielles se sont retrouvées sur Facebook. Donc, le gars n'a plus payé son passeport. Quand il fait cette vidéo, il survole juste pour dire, ah, vous avez bloqué mon passeport, donnez mon passeport, c'est mon droit le plus absolu. Moi qui vous parle, moi mon passeport s'est expiré. Il dit, mais mon passeport s'est expiré le 27 juillet 2016. Mais je ne suis pas allé déposer des documents pour avoir mon passeport. Pourquoi? Parce que je me disais que, ah, je ne pouvais pas entrer à l'ambassade parce que nous étions en désaccord avec le pouvoir en place, vu que mon ami a vu son passeport bloqué à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc moi, je me suis dit, ah, si son passeport est bloqué, c'est que si je mets mon passeport, c'est bon bloqué, parce que nous sommes dans la même équipe. Jusqu'à ce que Soro Diom, dans une de ses parutions, a prôné contre la réconciliation. Il dit, bon, ah, si les gens parlent de réconciliation, donc c'est comme le dessin, je parle de l'ambassade, voilà, parce que les gens parlent de réconciliation. Donc c'est comme ça, du 27 juillet 2016 au 22 juin 2017, je me suis rendu à l'ambassade. Pourquoi? Parce que sur le groupe appelle de réconciliation. Raison pour laquelle moi, il s'est allé faire mon passeport. Sinon, lui, il était cela, je n'allais jamais mettre pied à l'ambassade. Je me suis dit, ah, les gens, ils veulent aller sur les nouvelles bases. Voilà, ils sont crédibles. Donc moi aussi, j'ai entré dans cette logique. Donc c'est comme ça, je me suis transporté avec mon ami Danilo pour aller à l'ambassade. Mais tout en informant Johnny, il dit, mais Johnny, les gens, ils parlent de réconciliation. Voilà. Ils disent qu'ils parlent de réconciliation. Donc, comme en voir comme s'ils sont sincères, moi je vais aller tester la sincérité. Voilà. Je vais aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et bien avant ça, moi j'ai posé à l'amiral, mais j'ai jamais dit à l'amiral que je vais à l'ambassade. Et jamais il lui a dit, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, livré à mon propre sort. Et je suis à l'ambassade pour tester la crédibilité. Dans ce conseil, tu as dit à Johnny, il n'y a pas de problème. Comme toi, tu ne parles plus de ton passeport, moi, je vais prendre l'engagement de retirer aussi ton passeport. Mais à condition que tu m'envoies des documents adéquats, soit la population. Et la population, ce n'est pas moi qui ai dit la population. Voilà, c'est les gens qui étaient à l'ambassade, je n'ai pas dit le nom, qui ont dit, ah, bon, si vous voulez qu'on retire le passeport de Johnny, faites une procuration. Ah, c'est ça. Voici la procuration qui est là. Hier, comme vous le conseillez ma vidéo d'hier, je suis allé à l'ambassade. Voilà, c'est DHL. Hein. Voilà, parce que nous, on parle en trucage. Vous allez voir son nom ici. Vous allez voir son nom ici. Voilà, c'est marqué là. Pour ceux qui savent zoomer là. Voilà, c'est marqué ici. Il y a ça qui est là. Voilà, coucou, non, Chris. Voilà. Son nom est marqué là. Le destinataire. Son nom est marqué aussi. Voilà, si c'est Malik. Là, tout est marqué ici. Donc, c'est comme ça. Johnny a envoyé son document pour qu'il puisse retirer son passeport. Mais le gars, depuis 2014, il a vu son passeport bloqué par les autorités de Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que les gens nous ont dit là-bas. Je n'ai pas dit de non. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis un lâche ou j'ai peur de quelqu'un. Voilà. Mais je ne vais pas indexer quelqu'un ici. Mais les gens, ils vont se reconnaître dans ma vidéo. Voilà. Moi, je ne dis pas de nom ici. Voilà. Mais juste dire, le gars m'a fait sa vidéo d'hier. Je le soutiens dans sa vidéo parce que c'est son droit le plus absolu d'écrire son indignation, son ras-de-bol face
à ce qui s'est passé hier. Donc c'est comme ça, moi je suis allé à l'ambassade de Côte d'Ivoire et j'ai retiré mon passeport. Et quand j'ai retiré mon passeport, j'étais venu avec ça. Et j'ai dit, ah mais vu qu'on avait entamé des négociations, c'est moi qui ai entamé des négociations. C'est moi qui ai suggéré ça à Johnny. C'est pas Johnny qui voulait négocier avec eux. Voilà. C'est moi, il dit, mais pour, comme il veut être crédible dans les négociations, raison pour laquelle moi, il dit, bon, moi je vais négocier avec eux pour que Johnny rentre en possession de ses droits. Voilà. En possession de son passeport. Donc c'est moi qui ai pris la responsabilité de pouvoir parler avec eux. Voilà. Il ne dit pas de nom ici. Et c'est eux qui m'ont dit, non, mais si Johnny veut avoir accès à son passeport, voilà, qu'il nous envoie une procuration. Et moi, j'ai même pris le soin de dire, mais ah, mais depuis 3 ans, son passeport est là-bas. On ne sait pas pourquoi les gens n'ont pas de son passeport. On dit, les gens m'ont fait attendre que ouais, c'était une histoire d'État. Pour un citoyen lambda qui n'est même pas recherché, qui n'a même pas commis un crime d'humanité, on dit son passeport ressort du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, l'ambassade à lui n'est plus là, mais son passeport ressort du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui doit donner l'approbation pour que Johnny Pacheco puisse rentrer en possession de son passeport. Donc c'est comme ça, et j'ai posé avec Johnny, ils disent ils vont m'appeler. Ils ne m'ont jamais appelé. Johnny, bon, c'est que si on va appeler ton gars de s'animer, vu que la procuration, on va l'appeler. Ils ne m'ont jamais appelé. Et ça a duré 1 mois, ils ne m'ont jamais appelé. Voilà. Ils ne m'ont jamais appelé. Mais si vous parlez de réconciliation, vous parlez de la libération des prisonniers, et vous ne pouvez pas remettre un passeport d'un citoyen, le passeport qui n'a connu aucun crime, mais cela va s'indiquer qu'on va douter de votre réconciliation. Parce que pour un passeport qui n'a pas commis de crime, un citoyen lambda veut rentrer en possession de son passeport, on lui dit non que ouais, son passeport, pour avoir la possession de son passeport, on doit avoir l'approbation du gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais si un passeport, vous ne pouvez pas libérer un passeport qui est un objet, c'est que ce n'est pas les prisonniers que vous allez libérer. Voilà. Votre réconciliation, non, doute de cela. Oui. Parce que si vous n'arrivez pas à libérer un passeport qui ne respire pas, si vous n'arrivez pas à libérer ça, ce n'est pas le problème que vous voulez libérer. Voilà. Ce n'est pas le problème que vous voulez libérer. Et je tiens aussi à notifier pour dire que ouais, les gens qui sont dit sur les réseaux sociaux comme quoi, c'est parce que ouais, nous, on voulait entrer en possession de notre passeport qu'on a opté pour la réconciliation. Non, ce n'est pas ça. Moi, mon passeport était là-bas et puis il attaquait toujours. Pour dire, ouais, le passeport, même si le passeport est vous là-bas, ça n'a pas changé mes convictions. Voilà. Ça n'a pas changé mes convictions. Même Johnny, quand il a dit, il n'y a pas ton passeport, il lui a dit, mais tu peux négocier avec eux. Voilà, moi, je ne suis pas de négocier. Tu peux négocier avec eux, mais moi, ça n'a pas changé ma ligne de conduite. Et vous l'avez constaté. Même que moi, j'étais en négociation avec eux, mais lui, il était toujours dans la foule. Voilà, il faisait toutes ces vidéos comme il le faisait avant. Voilà. Donc c'est pour vous dire, quand on veut être sérieux, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on apprenne à se respecter. Parce que moi, je trouve que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un État qui est sérieux. Voilà, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un État qui est sérieux. Vous semez des frustrations. Or vous avez pris les armes en 2002, sous prétexte que ouais, vous aviez été frustré parce qu'on dit ouais. Vous portez Boubou. Pour un simple Boubou, vous avez pris les armes. Et maintenant, pour celui que vous spoliez sa nationalité, vous le rendez apatride. Il ne va pas prendre après ses bombes nucléaires. Parce que vous, pour un simple Boubou, pour un simple port de Boubou, vous avez pris des armes pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous avez en parlant que vous n'êtes pas ivoirien. Selon vous, le prêtre, on dit non, après, vous portez Boubou dans la mosquée. Donc vous êtes frustré. Vous êtes venu un 19 septembre attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà. Et maintenant, le gars que vous voulez retirer sa nationalité, imaginez sa frustration. Donc, quand on veut aller à une réconciliation, voilà, on ne sème pas de frustration. Voilà. Donc, on va me dire, non, mais tu as eu ton passeport, tu fermes ta gueule. Ouais, mais nous, je ne ferme pas ma gueule parce que lui, c'est mon ami. Voilà. Et c'est son droit le plus absolu d'entrer en possession de son passeport. Maintenant, si vous bloquez son passeport, notifiez le motif pour lequel vous avez bloqué son passeport. Voilà. Notifiez le motif pour lequel vous avez bloqué son passeport. Ça, moi, je n'ai pas fait cours en diplomatie. Voilà, mais c'est vous qui me demandez ça.
Voilà, c'est vous qui me demandez procuration. Voyez ça et envoyez ça. Voilà. Il se passe, parce que quand on appelle, les gens disent non, le passeport est là, mais on va appeler. Quand on appelle pour dire, ah mais le passeport, et si on peut entrer en position du passeport de Johnny? On dit non, le passeport est là, mais on va appeler. Mais on va appeler qui? Dans ce contexte, vous comprenez pour tous ceux qui viennent prendre le passeport. Parce que moi, pour moi, mon passeport n'a pas appelé. Hein. Voilà, on estime que oui, il n'y a pas d'antécédent. Maintenant, si vous estimez que Johnny Pacheco a un antécédent avec. Si Johnny Pacheco a un antécédent avec l'État de Côte d'Ivoire, notifiez le motif pour lequel vous refusez son passeport. Notifiez d'un courrier le motif pour lequel Johnny Pacheco ne peut pas avoir accès à son passeport. Dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas mentionner le motif pour lequel Johnny ne peut pas avoir son passeport, mais il est plus le seul de donner son passeport. Parce que là, quand l'État de Côte d'Ivoire fait un point de fer avec un citoyen lambda, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui ne se prend pas au sérieux. Oui. C'est pas moi qui dis ça, c'est eux qu'on dit. On dit, ouais, ça, c'est du ressort du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le passeport de Johnny Pacheco est du ressort du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le gouvernement là, il doit donner l'approbation d'abord avant que Johnny Pacheco rentre en possession de son passeport. Mais est-ce qu'un État qui se dit sérieux peut procéder de cette manière? Pour un citoyen lambda, qui n'est même pas politicien, qui n'a même pas de parti politique, un citoyen lambda qui dénonce l'état de la société. Mais si pour un citoyen lambda, voilà la sanction. On veut le spolier sa nationalité. Et maintenant, les opposants maintenant. Donc c'est seulement le dessin animé, la Gossip Gang, et doute de votre réconciliation. C'est moi, il y a pris l'engagement d'aller à la réconciliation. Johnny lui disait non, c'est que ceux ne sont pas crédibles, non, champion. Laisse, moi, je négocier eux. Voilà. Moi, je négocier parce que, c'est seulement, les gens sont venus attaquer Gbagbo en 2002. Ils n'avaient pas raison. Gbagbo pouvait les mater. Mais Gbagbo a préféré négocier. Bien que elle n'avait pas raison. Mais Gbagbo a préféré négocier. Donc, la politique, c'est là de négocier. La politique, c'est là de négocier. Donc, il dit Johnny, tranquille, moi, je négocie. Mais quand la négociation devient une foutaise, mais les gars, c'est normal qu'ils fassent la vidéo. Donc, ce qu'on dit, non, ah, Johnny a fait vidéo pour insulter. Mais oui, c'est normal qu'il insulte. Voilà, c'est normal parce qu'il est frustré, il est blessé de son amour propre. Parce qu'on peut pas, on trouve pas le moyen de le notifier. Pourquoi on ne peut pas lui mettre son passeport? Hein? On ne trouve pas le moyen de notifier à Johnny. Pourquoi on ne lui met pas son passeport? Dites-moi le motif. Il va dire, ah, dans ce passé, il fait vidéo. Quand il ne peut pas rentrer en position de mon passeport. Là, il sait comment marcher. Mais on ne dit pas au gars, on ne dit pas, mais c'est pas lui qui a fait vidéo. Ou même c'est pas lui qui a insulté dans l'entendre. Quand on n'a pas ton passeport. Ce mec qui sont à l'ambassade, quand il dit, mais elle le passeport. On dit, ah, on ne sait pas où. On voit le passeport, mais on ne peut pas toucher. L'ambassadeur même, il ne peut pas toucher. Ceux qui sont là-bas, il ne peut pas toucher. Quand il demande, on dit non, c'est le ressort du gouvernement. Mais si le ressort, pour un petit passeport, c'est un lambda, le gouvernement doit se muscler, mais c'est que l'État de Côte d'Ivoire ne se prend pas au sérieux. Voilà. L'État de Côte d'Ivoire ne se prend pas au sérieux. Et nous aussi, nous, c'est une victoire pour nous. Voilà, c'est une victoire pour Johnny Passé, ouais, lui, petit comme ça, il ose tenir la gazière haute à l'État de Côte d'Ivoire. Lui. Oui, et moi, je le félicite, parce que l'État de Côte d'Ivoire rentre d'un bras de fer à un citoyen lambda qui n'est même pas un politicien. L'État, on dit État de Côte d'Ivoire. Quand l'État, c'est tout le monde, l'État, c'est nous. C'est-à-dire tout un peuple de Côte d'Ivoire rentre en bras de fer avec Johnny Pacheco. C'est ce que ça veut dire. L'État de Côte d'Ivoire, l'État. C'est pas moi qui dis, c'est eux qui ont dit ça. On dit c'est du ressort du gouvernement de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire dit non, et dans la population de Johnny Pacheco. Et moi, c'est hier. Quand elle est sa vidéo, elle dit non, ah, on dit, pour entrer en possession de mon passeport, elle veut discuter avec moi. Mais discuter de quoi avec lui? C'est un citoyen lambda, il n'a pas déposé. Non, il y a un parti politique en Côte d'Ivoire. Vous allez vous dire quoi? Au même si l'État président d'un parti politique, l'on peut dire non, Johnny Pacheco, on a bloqué le passeport pour ce motif-là, on vient, assez-nous sur une table de discussion et puis venons, on va parler. Mais c'est pas cela. Le gars, c'est un vidéoman. Vidéoman, mais c'est pas reconnu sur Facebook. C'est nous, on a créé cette appellation Vidéoman. Quand il tape sur Google, quand il tape Vidéoman, c'est mon nom, c'est moi, c'est la définition. On met mon nom là-bas. Alors, on met des animés Vidéoman. Tu tapes sur Google, tu dis définition de Vidéoman. C'est moi, il sort là-bas. Toi, c'est que du Vidéoman, ça n'existe pas quelque part. Ça n'existe pas quelque part. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire peut s'y rabaisser? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire veut s'y rabaisser? Pour un simple passeport. Passeport.
Mais son droit le plus absolu, même si c'est un voleur, si c'est un criminel, il a besoin de son passeport, il a besoin de son passeport. Parce que vous, on sait, les gens ici en Côte d'Ivoire, quand on est en Côte d'Ivoire, on dit ouais, Draman n'est pas ivoirien, ça envoie 15 000 morts. Afrique, Draman n'est pas ivoirien, ça envoie 15 000 morts. On n'a pas bloqué le passeport, hein. On n'est pas ivoirien, ça envoie 15 000 morts. Voici Sam l'Africain. On dit ouais, Draman est Burkinabé, il est en prison. Mais maintenant pour un gars que vous voulez rendre à vous voulez le rendre apatride, ça y est, sans nationalité, il est là. Et vous, sans notifier le motif pour lequel le gars doit être apatride. On ne fait pas ça. Ça, c'est un état qui s'est dit sérieux. C'est un état qui s'est dit sérieux. Donc, les champions, en tout cas, moi, c'est tellement. Il n'y a pas dit que je vais baisser les bras. Comme on aspire à être politicien. On aspire à retrouver la politique. Voilà. Johnny, il est fâché. Voilà. Je comprends, il est fâché. Mais moi aussi, pas que je suis fâché, mais je vais tout négocier avec vous. Voilà. Ça, c'est pas lui, hein. Ça, c'est moi qui prends la responsabilité de négocier avec vous pour que mon élément rentre en position de son document de voyage. Après, c'est son droit le plus absolu. Voilà. C'est son droit le plus absolu. Voilà. Montrez que vous êtes crédible aux yeux de tout le monde. Montrez que vous voulez aller à une reconstruction sincère. Parce que là, moi, il pense que ouais, votre reconstruction, c'est amusement, c'est solide dans le plat calidum. Parce que si on n'arrive pas à donner le passeport à quelqu'un, c'est pas des prisonniers mal libérés. C'est pas des prisonniers mal libérés. Si pour un passeport, on doit faire un balai diplomatique, mais c'est pas des prisonniers mal libérés. Célibé Mayor, il est plus qu'opposant, il insulte le président, donc il aille chercher autre passeport, il n'aura pas de passeport. Bon, lui, c'est un ignare, mère connaît sa maman pour me dessus. Bon, moi, il fait rien, lui. Voilà, c'était juste ça, c'est des sauvages qui viennent toujours, des truffettes, des rabat-joie, des ignares. Ils sont un danger potentiel pour eux-mêmes et pour leur entourage, mais c'est normal parce qu'ils ont été endoctrinés. Nous, non, on n'a pas été endoctrinés. Hein. Voilà, on dit ce qui est, on dit ce qu'ils pensent, on dit ce qu'on pense. Voilà. Donc, état de Côte d'Ivoire. Voilà. Ton représentant en France ici là. Voilà. Moi ici, ouvert à la négociation. Voilà. Voilà. Parce que je me suis mis dans une posture où il a relevé un défi. Voilà. Moi dans ma vie, il n'y a plus de défaite. Voilà. Il ne sait pas ce qu'on appelle défaite. Voilà. C'est moi et plus l'engagement de faire ce qui passe de mon élément. Voilà. Donc c'est moi ici qui suis disponible pour la négociation. Voilà. Lui, sa vidéo, c'est normal. Parce qu'il est dans l'état pour lui. Il s'est dit, ah non, comment ? Moi, mon compère, on dépose des documents pour avoir notre passeport. Lui, il a son passeport, il n'y a pas mon passeport. Mais c'est normal qu'il soit frustré. C'est normal qu'il soit frustré. C'est normal. Voilà, et c'est son droit le plus absolu de créer son ras-le-bol à travers des vidéos. C'est normal. C'est qu'ils m'ont dit, vous avez le passeport, soit vous arrachez votre passeport, vous serez content. Vous serez content. On veut vous arracher votre nationalité, votre identité, vous serez content. Moi, je sais que je reviens, mais mon identité me coûte très cher. Voilà, ici, il ferait du bonheur. Voilà. Et cette nationalité, je ne peux jamais la renier au profit de quelque chose. Jamais. Voilà, parce que c'est là-bas, il suis né, c'est la terre de mes ancêtres. Mais quelqu'un où il est né à Tipa-Tipa, on dit non, tu n'es plus Tipa-Tipa, il n'a qu'à devenir quoi? À cause de vous. Mais, état de Côte d'Ivoire, prenez vos sérieux. Voilà, vous ne vous prenez pas au sérieux. Si vous ne vous prenez pas au sérieux, j'ai encore au sérieux. Voilà. Moi-même, il voulait faire de conseil, il voulait aller à la réconciliation, mais il a vu que c'est une réconciliation pour une endoctrinée. Voilà, c'est une question qui est faite à dessein. On ne sait pas pourquoi, mais c'est fait à dessein. Parce que si vous n'arrivez pas à libérer un petit passeport qui traîne là-bas depuis 3 ans, mais ce n'est pas les hommes physiques que vous allez libérer. Ce n'est pas les hommes physiques que vous allez libérer. Après, la ligne voudrait que ouais, quand on ne veut pas donner le passeport à Johnny, on notifie pour lui c'est le motif pour lequel ton passeport, tu n'as pas ton passeport. Voilà, tu as outragé le chef de l'État, tu as attendu. Mais lui, c'est le citoyen lambda. Il ne sait pas pourquoi il ne peut pas entrer en position de passeport. Ce citoyen-là, Johnny Pacheco, il ne sait pas pourquoi il ne veut pas rentrer en possession de son passeport. Dans l'état de Côte d'Ivoire, prenez vos sérieux. Voilà. Et là, moi, je vous dis, hein, c'est une victoire pour lui. Voilà, c'est une victoire pour lui parce que lui tient en liesse l'état de Côte d'Ivoire. Ouais, état de Côte d'Ivoire. Et il y a la preuve qu'elle a. Voici ça qu'elle a. On dit DHL. On dit dessin, va prendre passeport. On dit on n'a pas passeport. Et on dit pourquoi? On dit approbation au gouvernement. Gouvernement, si on demande là-bas, gouvernement, c'est qui? Gouvernement ne parle pas aussi. Dans le passeport, il est là. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris l'engagement pour lui. Bon, il y a longtemps, l'enfant là, ça fait 3 ans, 4 ans, son passeport là-bas. On va lui donner son passeport. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris. Ça ne bande pas. Les pins ne bandent pas. Devant un petit passeport. Mais c'est normal que le gars, il soit frustré. Ouais. Il soit frustré. Donc, c'est seulement moi, ici, indigné. Je suis frustré.
Voilà, ici frustré. Donc on va créer un club de frustrés. Voilà. Tous les frustrés vont nous rejoindre. Voilà. Tous ceux qui sont frustrés en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes porte-parole. Voilà, parce que vous créez des frustrations. Vous, la Côte d'Ivoire, vous avez dit quoi? Vous étiez frustré. Voilà, vous avez pris les âmes. Vous attaquez la Côte d'Ivoire, attaquez la nation. Nous, on va pas prendre les âmes. Mais nous, c'est pas le verbe. On va créer un ras-le-bol. Voilà. Sincèrement, état de Côte d'Ivoire, vous ne vous prenez pas au sérieux. Voilà. Comment un petit kakaba, un enfant, petit citoyen, qui n'est même pas juste, il n'est même pas ministre, il n'est même pas maire, il n'est même pas quelque chose. C'est lui qui tient à l'état de Côte d'Ivoire. L'état de Côte d'Ivoire fait prendre le faire lui. Pourquoi? À cause du passeport. Vraiment, vous ne vous prenez pas au sérieux. Voilà. Donc moi, c'était ma petite vidéo pour créer mon indignation, mon ras-le-bol. Voilà. Voilà. C'était mon indignation. C'est ce que j'avais à dire. Tant, sans toutefois aussi exclure la voie des négociations. Parce que le truc est toujours là. La procuration est toujours là. Voilà, c'est mon nom qui est dessus. C'est mon retour de passeport. Voilà. Le cas contraire, si vous n'avez pas de passeport, au moins notifiez le motif pour lequel le passeport est gardé par devant vous là-bas. Parce que depuis 3 ans, le passeport est là-bas. On dit non, puis on ne veut pas beaucoup de passeport. Mais vous ne pas beaucoup de passeport. Mais pourquoi cette information? C'est l'information confidentielle, c'est autour du Facebook. Ou même mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Tu t'amoures, t'as goût dans l'hôtel. Bien, bien, tu sais qu'elle a porté Baya, elle a 10 000 francs dans son portefeuille. Ses poils sont bien rasés. Tu sors de l'hôtel. Le sensation te dit, ah, mais t'as goût là, elle a porté ce livre. Tu dis là quoi? Ah, mais ses poils, elle est bien rasé. Hein. Elle a 10 000 dans son portefeuille. Toi, t'as pas crié Madou. Tu t'en baisé dans l'hôtel avec ta goût. Tu sais qu'elle a porté Slip Rouge chez toi, ce que tu vas voir dans la chambre, Slip Rouge. Elle est bien, elle a boiture, elle a tatouage à côté de sa cuisse. Quand il sort de l'hôtel, un passant dit, ah, même ta gueule, là, son Slip Rouge, il est jazz, hein. Et puis son petit tatouage papillon, là, c'est trop réel. Toi, tu n'as pas crié Madou. Tu n'as pas dit, mais ah, il y a quoi dans la chambre d'hôtel, là? Puis moi, il sort, on dit, voyez ce que ma copine a porté. Donc, c'est pareil pour lui. Il s'en déposé ses papiers, elle serait de ça pour faire son passeport. Il regarde sur Facebook. Son nom est là-bas. Eh bien, il ne s'arrête pas là. Numéro de téléphone, son papa est là-bas. Son adresse partout est là-bas, mais il est champion. Prenez-vous au sérieux. Voilà. Un état qui s'est dit sérieux, là, c'est prendre au sérieux. Voilà. Et vous parlez de réconciliation. Mais si vous n'avez pas à libérer un passeport, en toute fois que ouais, c'est des prisonniers, vous devez libérer. Voilà. Parce que vous ne venez pas là à la parole. Voilà. Moi, je suis à l'ambassade. Pourquoi? C'est parce que sur la période de réconciliation. Sur mon passeport, il est périmé depuis 2016. Depuis le 27 juillet 2016, mon passeport est périmé. Mais il a attendu l'occasion, quand on a dit, ah, réconciliation, il a dit, bon, attends, il est parti tester ça pour voir si c'est réel, si c'est Didi. Et mais testé, il voit que, ouais, c'est pas trop Didi. Vous voyez, après, où on peut pas libérer le passeport, c'est pas besoin de libérer. Voilà. Donc, état de Côte d'Ivoire, ambassade de Côte d'Ivoire en France, voilà. Moi, si tu es encore ouvert aux négociations, voilà. Le passeport, depuis, il a fait ça en 2014. Vous avez déjà brouté 3 ans dedans. Il reste 2 ans. Laissez 2 ans, lui va jouer ça. Voilà, vous avez déjà trop mougou son passeport. Voilà. Vous avez mougou ça jusqu'à fatiguer pendant 3 ans. Laissez lui va mougou ça pendant 2 ans aussi. Laissez-le mougou pendant 2 ans. C'est sa femme, hein? Mais vous laissez mougou passer. Vous êtes fort, vous bandez vos muscles. Mais dégage. Laissez le mougou un peu son passeport. Hein. Laissez le mougou avoir mougou son passeport. Voilà, c'est son droit le plus absolu d'avoir son passeport. Voilà, c'est son droit le plus absolu. Parce que quand vous faites ça, vous ne vous prenez pas au sérieux. Voilà, vous ne vous prenez pas au sérieux. État de Côte d'Ivoire qui bute avec un citoyen lambda, pourquoi passeport? Pour son passeport. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal ça. État de Côte d'Ivoire. Son passeport. C'est pas normal. Donc, moi, c'était ma petite vidéo de ce matin. Question. Pas de bonne question. Pas de questions, bonne question. Voilà. Nous sommes les porte-parole de tous les frustrés de Côte d'Ivoire. On est frustrés. Voilà. Vous semez des frustrations. On parle de frustration en frustration. Les gens sont emprisonnés. Vous ne pouvez pas les libérer. Ils n'ont rien fait. On parle de tout fait pour ils sont en prison. Tout cela, c'est les frustrés qui causent. C'est les frustrés qui sont là. Donc, tous vos frustrés, on va les prendre. On va les mettre derrière nous. Voilà. Parce que nous sommes frustrés. Nous sommes les premiers frustrés. Les autres frustrés, ils ne parlent pas. Nous, on parle, on dit ce qu'on fait, on dit on veut la négociation. Mais les autres frustrés, là, on ne sait pas s'ils ont clash dans les poches, ils vous attendent dans le couloir. Nous, on ne sait pas. Mais c'est nous, au moins, nous les frustrés, nous, au moins, on a le courage de parler devant vous pour dire, ah, pour qu'ils n'ont pas de bol. Mais est-ce que vous frustrez depuis longtemps, là?
Et vous criez le cinéma, non, et quand le police a été attaqué. On prend un gars, Siri Alain, on dit, viens dire que ouais, tu t'es l'instigateur du coup. Okay. Siri Alain même là, il habite à Yopougon. Le jour de l'attaque, il n'est jamais sorti. Il était chez lui là-bas, vous avez des gens cagoulés. Pour aller l'arrêter pour lui, non, viens t'as pas de témoigner. Viens t'as dit que c'est passé, ouais, c'est un gars depuis sur le train de Babou, il roule le chat. Là, toute votre constellation, non, c'est ça. Voilà, Siri Alain n'a rien fait. Un gars peut être en train de tirer à Yopougon, peut être tiré à l'école de police, il va se retrouver à Yopougon en train de tirer. Lui, il est comment? Lui, il est Robocop, quoi. Quand tu tires à l'école de police, tu finis par tirer à Yopougon. T'es trop brave, et puis y a pas, on ne te poursuit pas. D'habitude, quand il y a un attaque, puis il y a les morts, là, on voit les morts. On dit qu'il y a un mort, mais le mort, là, lui, là, on ne le voit pas. Le mort, ils ont tué à l'école de police, on ne le voit pas. Là, les champions, prenez vos sérieux. Voilà, prenez vos sérieux. Voilà, donc moi, c'est ma petite vidéo, il n'y a pas trop duré, parce qu'en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas immunité. Voilà. Voilà, donc, le champion, je t'ai animé vidéo, moi. Voilà, votre M serviteur. Voilà, si, on se sait le mot. Ciao, ciao.